Alors, qu'est-ce que cela nous donne? Ici, il n'y a rien. Pas de méchant à l'horizon. Et on arrive à l'ascenseur. Ah, il y a un troll en face. Pour sauvegarder, il faut arriver à un ascenseur pour pouvoir quitter, ou sinon il faut mourir. Ah putain, c'est encore le même étage pourri. Ah, j'imagine que ça va être le même type, Yannick. Ah, sauf que c'est... Ah bah non. C'est qui ça? Ah bah c'est son père. Gauche. Ah, c'est toi qui Sama. Tu te sens seul et t'as besoin de mon aide. Hein. T'as pas envie de passer un moment avec moi? Cet imbécile de Kisama a enfin appris à être modeste avec les gendarmes. Non mais déjà le mec il me traite d'imbécile, mais je vais les tabasser eux. De ma gueule. Oh, cette famille de merde. Bon, on sait que l'ascenseur va être sur un des côtés. Voilà, parce qu'on peut pas y aller comme ça. Enfin, c'est bien de pouvoir speeder. En tout cas, il a l'air de rien avoir à chaque fois dans ces étages moisis. Et là, par contre, le deuxième étage était identique à notre tour d'avant. Alors, on a une pomme. Limite fruit a été obtenue. Qu'est-ce que c'est? Accroît la proportion des tirs critiques pendant un temps. D'accord. Oh, peut-être une plus grosse épée. Pour une fois. Or épée. Fort probable donc. Pas du tout, mais j'avais un bâton, alors on va mettre ça. En fait, je me fais troller. Alors, du pognon. Mais bon, j'aimerais le ramener un jour à la maison, ce pognon. La Zacherbe. Pour établir une force d'attaque affaiblie. Ok. Donc, si je me fais casser l'attaque, j'utilise ça. Il y a beaucoup d'objets ici. Et on a trouvé l'ascenseur. Alors je vais pas aller direct au quatrième étage. Par contre, s'ils abusent un peu, parce que là, deux étages, il n'y a pas l'air d'avoir de monstres ici. Comment on fait monter ces familles? Et alors qu'à la première run, j'avais trouvé un œuf, et ben là, j'aurais pas d'œuf. Oups. Ah bah voilà ce que je voulais. Oh, moi je l'ai raté. Oh, espèce de troll moisi. Voilà, c'est plus craqué. Alors je regardais si j'avais bientôt un level. Alors on leur fait mal. Un bon point pour nous. Continuons la visite. Monstre, oh, plein de...
Eh bien, s'il n'est pas sur un étage, lui. Non, en fait, ça s'applique qu'à moi, ça. Level 4. Ah, mais encore. Donc les pièges peuvent bien apparaître après. Ok, ça s'est remis. Alors on va faire ça, comme ça, ça s'est fait. Voilà. De toute façon, on a trouvé l'ascenseur ici dès le début. Pas trop compliqué. On est full vie. Pas d'item. Oh, un petit monstre. Pourquoi je le touche pas? Voilà, si tu veux bien mûrir. Alors la sortie elle est là, bon, on peut y aller. Donc on a tout fait. Ouais. Allez, quatrième étage, on va essayer d'aller plus loin. Mais bon, il faudrait des loots, quoi. Genre une épée à attaque plus 2. Ah, mais il a été empoisonné. Ah, mais merde, je fais la même connerie. Moi. Ok, donc moi ça devrait pas tarder. Ah, le problème c'est que lui il récupère pas sa vie. Il a rien à donner à manger. C'est plutôt ballot. Alors là, il y a du pognon. Ah ben, on a déjà trouvé l'ascenseur. Alors, je vais essayer de prendre les coups pour lui. Si on invente des mecs, bien sûr. Chier, t'as attaqué Kun. Eh merde, il est passé devant. Et il met tout sur sa gueule. Non, ça va. On sort bien. On se débrouille plutôt bien. Ah mais mon truc bois c'est pourquoi moins 1? J'avais pas vu ça. Pas trop grave. L'or épée a été obtenu. Ah c'est la même quoi. Celle-là elle est verte. Et là il y a un item, du pognon.
Ah, mais je me suis carrément raté. Moi, je le touche pas. Quoi, cette connerie? Bah ouais, c'est lui qui l'a vaincu. En même temps, moi, j'ai pas pu le toucher. Voilà, faut être réaliste à un moment. Alors, peut-être qu'avec cette pomme, ça pourra me servir. Un pitafruit, alors qu'est-ce que c'est déjà? Combien il a lui? On va essayer de lui donner pour voir si c'est ça. De toute façon, c'est avec des tests qu'on y arrive. Hein. Et merde, c'est moi qui l'ai mangé. Mais ça fait deux fois que je fais la connerie. Désolé, mon gars. A été obtenu. Et vous le dites. Ah, j'imagine que c'est vrai. Et merde, c'est un cul-de-sac, non. Ok. Mais non, mais rate pas ça. Mais pourquoi il tape en diagonale ce mongoloïde? Mets-toi bien. Bon, va falloir régène. En fait, je vais te faire comme ça, parce que comme je vois les monstres arriver sur les passages où j'ai déjà été. Technique du shit. Comme ça, comme ça. Oh, parlez trop vite. Faire crever, ouais. Eh ouais. Voilà. Péché par orgueil. On aura avancé, on aura tenu dans cet étage 4. On n'aura pas été à l'étage 5. Mais je vois pas comment ramener les items. En fait, ça, moi, ça me perturbe énormément ce truc. J'aimerais bien le savoir. Faut que je prenne Koun avec moi. Et surtout, j'ai pas trouvé d'œuf. Mais bon, si je trouve un œuf pour pas le ramener. Ça me sert pas à grand chose. Toi, tu viens avec moi. Et en plus, après, il va falloir que je trouve comment faire éclore l'œuf avec le truc de chauffer. Je suis pas sûr d'avoir tout capté. J'avoue que c'est super répétitif, quoi. Alors normalement Koun ne sera pas avec moi. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah ouais mon petit gars, tu t'es fait enfermer. Parce que la différence avec un Pokémon, c'est qu'un Pokémon t'avance, quoi, il y a une histoire, etc. Là si c'est juste pour aller au dernier étage comme ça. En ayant des familiers plus forts, c'est pas super emballant le principe. En plus, au bout d'un moment, les premiers étages, bah, c'est le familier qui va jouer.
Donc pas nous. Nous on repart toujours au level 0, d'après ce que j'ai compris. À level 1. Donc c'est un petit peu con quoi. Ben, c'est mon avis perso. Là, il va pas se mettre en position d'attaque. Alors que lui, il pourrait quasi le one-shot. Mais non, mais mets le bas avant. Mongoloïde. Parce que même l'argent, je le ramène pas. Après, le système de combat tour par tour, c'est assez sympa, quoi. Bah non, mais c'est moi qui rate alors que c'est moi qui ai la distance. Je me suis pas un peu fait arnaquer là-dessus. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est son mongoloïde? Non mais il a été tapé le mob. Je crois pas. Il est où son mongoloïde? J'ai l'impression qu'il a bugué. Non mais il est en train de se faire l'étage. Il est là-bas. Le mec est parti se taper sans moi dans l'air de rien. Ah te voilà. Mais non mais putain mais il est mon gars. Monte. Enfin, ça c'est super mal pensé. Mais par contre, le principe était très lassant, très répétitif. Alors qu'il y avait quand même une bonne idée à faire là-dessus. Franchement, je fonce direct au level au-dessus. Je pense que ce sera plus intéressant. Là, mine de rien. Ah mais l'état c'est le même, sérieux, voilà on va rencontrer un guignol. Bon, on va rencontrer celle qui m'appelle Enflure. Eh ouais. Ah mon cul c'est du poulet. Eh ben non. Pas toujours le même côté. Voilà, raccourci. Bon, par contre, on est au 41 étage. Je ne sais même pas combien il y a d'étages max. C'est une bonne question. Ouh, deux trolls d'entrée. Même pas endormi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Par contre, ça c'est dangereux.
Faudrait que je passe derrière. Voilà. Ok. Normalement, j'ai réussi mon coup. Je fais comme ça, tape. Ah merde, je peux taper. Voilà. Non, mais fais pas des miss. Ça lui plaît pas les changements de musique. Ok. Moi, je suis passé niveau 3. Ah ouais, en tapant en fait, ça peut permettre de carotter. C'est brillant ça. Comme des fois j'essaye de les arnaquer. Alors peut-être d'abord là, comme ça. Voilà, je fais le raccordement. Par contre ça c'est pas bon. Voilà. Ok, Oasis is good. Alors peut-être que ça marchera mieux ici. Non. Ok. Pour trouver la sortie. Azak Herbe. On peut passer ça. J'ai déjà oublié, sur la run d'avant il y en avait. On avait trouvé une. Ok, ça paye. Et merde. Oh oh, j'ai été séparé de Kuhn. Ok, lui il est tombé sur Flamme. Faut que j'arrive à le trouver. Mais lol. Voilà, moi je suis passé level 4. Merde, il y avait une épée. Je vais bien mourir. Ok, on va équiper ça. Ah putain, c'est une attaque plus 1. Bon, il est où le petit coon? Le problème c'est que je peux pas repartir sans lui. J'ose imaginer. Alors là il y a un piège, faut faire gaffe, et un item. Des sous. Et je trouve l'ascenseur. Est-ce qu'il est cool? Là je peux pas le voir en plus. Ça fait quoi si je pars sans lui? Le problème c'est que si je le récupère pas, je vais me retrouver encore au quatrième étage sans rien. Ça me ferait bien chier. Où est-ce qu'il est ce con?
chier. Là, je fais de la merde. Là, je risque de crever bêtement. Je tue maintenant. Tendu. De justesse. Bon bah mon seul choix c'est de tenter l'échappatoire. J'ai pas le choix. Ah bah je crois que ça l'a ramené avec moi. Donc j'espère qu'il n'y a pas de monstre où j'apparaisse. Bah il y en a deux. Ouais, j'ai tenté la planque. Ça. Ok, c'est passé. Et j'ai un bouclier. Oh, Def 4. Le meilleur bouclier qu'on a eu depuis tout à l'heure. Par contre, il y a un piège là quelque part. Et l'ascenseur est juste à côté. Et il y en avait un là. Ça m'a crevé. Oh non, mais comment c'est dégueulasse. Ah, je me suis fait troller par le jeu. Ah, franchement, c'est dégueulasse. Je me suis fait troller. Allez, dépêche-toi. J'ai toujours pas trouvé le truc d'eau. Je m'avais demandé. Alors, on va le reprendre avec nous. Regardez s'il n'y a pas d'autres quêtes dans le village, peut-être. On va sauvegarder. Parce que ça fait un bail qu'on l'a pas fait. Ça m'a argent zéro. Alors. Pas c'est quoi les points d'interrogation? Des secrets du jeu, bâtiment 0. Donc avec l'argent, etc. Après on doit pouvoir faire des améliorations normalement. Mais je pense que ça viendra une fois qu'il y aura une meilleure maîtrise. Parce que là pour l'instant, j'avoue, ne pas encore maîtriser. Donc de toute façon on verra si demain je continue sur ça. Si tu le dis, t'as fait peur ce chat. J'hésitais, j'avoue. Je voulais dire ce chien. J'admets avoir hésité. Alors, on va essayer de faire là, quelques maisons, voir s'il n'y a pas des trucs hein, pour nous aider. Bah, un forgeron, tiens, mais il faut de l'argent. C'est un salaud.
Ah, on peut avoir une attaque de direct pour s'enger et des médics. Donc l'argent peut servir. Ouais, le forgeron, il est pas utile pour l'instant. À part peut-être si on lui ramène des items, je pense. Pourquoi pas? Ça pourrait être un intérêt. Il me semble qu'il y a un système d'évolution du village. Alors je vais voir un peu ce qu'ils vendent. Ah, on peut acheter un lit, un baldaquin, une table, un bonsaï, peau de tigre, des tapis, tableau carrément, la télé. Il y a pas mal de petites choses à acheter. On peut acheter des vêtements, un ampli, un sac. Ah, une bague. Ça fait peur. Mais non. Les joueurs. Ah, c'est des rares en fait. Hein. Ils nous prennent pas au sérieux. Alors, il y a un moulin. Est-ce qu'on peut aller voir? Non, c'est des éoliennes. Les éoliennes du passé futur. Non, j'ai pas été ici. J'essaye de voir un peu tout ce qu'on peut nous proposer. Ah, c'est Madame Soleil. Elle va me faire payer. Bah ouais, c'est Kuhn qui fait tout le travail quand même. Non, pas super intéressant. Non, moi j'aimerais savoir comment quitter cette tour une fois qu'on le décide. Voilà ce qui pourrait m'aider. Franchement, il n'y a pas du tout d'aide quoi là-dessus. Émerde-toi. Que de la merde, les mecs. Rien à battre. J'ai pas besoin de drogue. Ah non, j'ai pas d'argent.
Bah vas-y, refile leur la CMU alors, pourquoi tu leur fais payer 15 or? Les escrocs. Ça va, le village est pas spécialement petit. Moi je voudrais sortir avec des trésors. C'est bien beau à chaque fois d'aller dans la tour, mais si je récupère rien. Si je veux faire fusionner des mobs. Il va me falloir des œufs. Le problème, c'est qu'ils ont l'air super radins, les mecs, sur les œufs. C'est un peu dégueulasse. Là, par contre, les maisons, c'est toutes les mêmes. On n'a pas une différenciée des autres. À part Madame Soleil. Ils n'ont pas trop foulé dans le design. Ouais, bien sûr, ton père là, sérieux. Je vous permets pas, moi, je vous connais pas. Bon, il y a personne d'autre qui a besoin d'aide. Ah mais on peut peut-être l'aider. On peut peut-être l'aider, il peut peut-être nous aider. Ça peut peut-être m'aider. Il fait tomber les bibliothèques sur nos gueules. C'est un malade. Mais il est sérieux? C'est quoi ce branleur? Mais tu sers à rien. Mais ils sont tes sérieux. Allez, une autre gamine. Quoique non, c'est une vieille. Ah, c'est Tata. Allez vous faire mettre. Nos amis les riches. C'est qui eux? Ils s'appellent tous Tata dans ce jeu. C'est quoi ces conneries? C'est quoi cette notre maison ici? Ouais, c'est bien ça. Avec la musique qui groove. J'ai pas été ici. Ça a l'air spécial. Voilà, c'est un temple. Ah bah c'est notre ami. Mais ça, je m'en fous. Ça. Moi, c'est savoir comment on les ramène. Ouais, il m'apprend rien de plus. Perds toujours la première fois. Non.
Eh ben eux, au moins ils en reviennent. Moi j'en reviens fracassé. Donc ça on a capté, il y a un reset. Ouais, il nous apprend rien de plus finalement, papy. Vraiment les mêmes choses. Mais qui sert à rien. Ok, bah je crois que je vais faire une petite pause ici, vite fait. 5-10 minutes et on se retrouve juste après. Par contre, il n'y a pas de pause dans le jeu. Un peu naze ça. Bah alors je vous laisse avec la musique du jeu. Et à tout de suite.